exposition officielle. Donc, c'est une exposition qui a été faite dans le cadre du 15e anniversaire du réseau Vauban. C'est-à-dire que les 15 sites UNESCO ont organisé chacun un certain nombre d'activités. Pour nous ici, ça a été la clé qu'a organisé, par exemple, le Salle de la Révolte et un certain nombre d'activités ou d'animations. Bon, il y a eu également la fête de la sorcière qui était sous le signe du 15e anniversaire. Donc beaucoup d'activités cette année dans les 15 sites. Cette exposition, elle a été faite en partenariat avec le photoclub de Perpignan et dans le cadre du FIAP et donc du Centre international d'art photographique qu'on a mis en place l'année passée. Le président de la Fédération française, il est aussi de Perpignan. Pour l'instant, il est en Chine. Il est avec la FIAP, donc voilà, il a pas mal de... Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de parler à sa place. Donc cette exposition, on a eu pratiquement 200 photos et à peu près 120 participants qui ont envoyé leurs photos. Donc il y a eu un jury qui a fait une sélection à l'aveugle, c'est-à-dire que chacun, ça a été vraiment très quelque chose de très secret, je dirais. Et donc il y a 30 photos qui ont été sélectionnées. Bon, il y en a 3 qui manquent, qui vont un petit problème technique, mais qui vont être rajoutées. Donc là, faudra revenir pour les 3 qui manquent. Donc vous le voyez, hein, ce sont des belles photos. Donc merci aux participants. Bravo à tous ceux qui ont envoyé les photos et pas juste à ceux qui ont été sélectionnés parce que toutes les photos ont été faites avec beaucoup de cœur, je dirais, et beaucoup d'amour pour Villefranche. Et c'est ça qui est essentiel. C'est le making of. Lettre de feu.